Décidément, ça brasse ces jours-ci à Saguenay. Après les enquêteurs d'Élections Québec la semaine dernière, autour des policiers de poser des questions, Ève, le conseiller Jean-Marc Crevier a été convoqué au bureau de la Sûreté du Québec cet après-midi. Oui, Jean-Marc Crevier qui avait une rencontre à 14 heures avec une enquêteuse de la Sûreté du Québec en provenance d'Alma, mais la rencontre avait lieu au poste de Chicoutimi. On ne sait pas de quelle division elle provient, mais il nous a confirmé qu'on parle d'un dossier de nature criminelle. Donc, selon Jean-Marc Crevier, c'est la Sûreté du Québec qui l'a convoqué pour une rencontre relativement à une plainte qui a été faite dans le dossier de l'ancien DG de la STS, Jean-Luc Roberge, son congédiement. Et à des rencontres qui ont également été faites durant cette période-là. Il dit que ce n'est pas lui qui a fait la plainte et qu'il ne sait pas qui l'a fait. Ça a été, Sonia, une rencontre qui a duré quand même une bonne partie de l'après-midi. Je vous invite à écouter tout de suite mon échange avec Jean-Marc Crevier tout juste avant qu'il entre pour cette rencontre avec la Sûreté du Québec. De quel dossier on parle, M. Crevier? On parle toujours du dossier de ce qui vire alentour peut-être du procès de Jean-Luc Roberge, là. Certaines réunions qu'il y a eues, là, mais c'est pas moi qui a porté plainte. Là. On m'a demandé de venir la rencontrer. Ça fait deux fois que je leur parle. Le premier coup, ils sont pas venus me rencontrer. Ils ont dit on va vous rencontrer plus tard. Puis là, ils m'ont appelé ce matin pour me rencontrer. Je peux pas en dire plus que ça. Là. Peu importe sur quoi qu'on va me parler, si on me questionne, je vais dire tout simplement la vérité. Puis dans le cas de la Sûreté du Québec, il y a quelqu'un qui a porté plainte. Je sais pas qui, c'est pas moi. Puis les questions qu'on va me poser vont dire tout simplement la vérité. Je termine en vous parlant d'un autre dossier, celui de l'enquête menée par le bureau du directeur général des élections en lien avec des allégations contre Julie Dufour. On se rappelle, donc Serge Simard et Jean-Marc Crevier qui ont été rencontrés la semaine dernière pour donner leur version des faits. Eux qui prétendent que la mairesse les a approchés pour leur demander de ne pas se présenter aux dernières élections en échange de considérations futures. Eh bien, du côté du cabinet de la mairesse, aujourd'hui, on a fait n'a toujours pas avoir été contacté par Élections Québec dans le cadre de cette enquête. En tout cas, on vérifie, on suit ces deux sujets. Merci beaucoup. Absolument. Merci. Au revoir.